Joli, joli, bien, bien. Tramos, blibli, samsungoum. La cacahuète, il est joli, bien grillé. Oh, qu'est-ce que tu fais, Kadour? Tu vends des blibli maintenant? Eh oui, madame Menotti, qu'est-ce que vous voulez? C'est un crise terrible maintenant. Les casseroles, il n'y en a plus. Dis, je t'avais porté deux paires de souliers à mon mari et puis un veston rayé presque neuf pour faire change. Pour faire change avec quoi? Eh ben, une batterie de cuisine. Marque dommage. Et ça fait trois fois dans la même semaine que vous commandez des casseroles. Doucement, des... Tais-toi, Kadour. En ce moment, eh bien, on en use beaucoup à la maison. Trois fois 16 casseroles en 15 jours. Je te dis, c'est la crise. Je suis obligé de vendre des tramos maintenant. Kadour, dis, tiens, pendant que personne ne le voit, ouais, j'ai quelque chose à te dire, dis. Ah, oh, dites pardon, monsieur, hein. Moi, j'étais avant vous. Vous ne t'expliquez pas. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Qu'est-ce qu'il y a? Une seconde, madame, hein. J'ai besoin de 12 casseroles pour ce soir. 12 casseroles? Et où je vais le trouver? Mais tu te les prends où tu veux, mais ce soir j'ai du monde à la maison, j'ai besoin de casseroles. Allez, dépêche-toi, il y a cancer chez moi. Oui. Alors, c'est fini ou quoi? Du Kadour, tu peux pas m'avoir ce que je t'ai demandé tout à l'heure? Écoutez, maintenant, il faut que je vous dise, les passoires, les casseroles, les bassines, c'est des marchés noirs. Tu te trompes plus sur la place d'Alger. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu'ils ont les gens, hein. Allez, chut, matin volant aux étrangers. Oh. Hey, les tramos, les blip, les jolis, jolis, les tramos. Monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ces petites boules, s'il vous plaît? Qui boule? Il n'est pas boule, ce n'est. Ça, là, les blibli. Tu vois pas ce qu'il demande, le monsieur, non? Ah, vous voulez les blibli? Ouais. Ah, c'est bien ce que je pensais. Quelle poésie. Je trouve ça charmant, les blibli. Alors, dis, Kadour, tu me réponds pour ce que je t'ai demandé tout à l'heure? Nous allons voir ça. Attends que je serve, monsieur. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? Allez, dépêche-toi, Kadour. Hein. Vous voyez pas que c'est des tramousses, non? Mais vous voyez pas. Des quoi? Fais-lui un dessin, va. Kadour, j'ai quelque chose à te demander, hein. Oh, j'ai mais dis, Lucien. Quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ce chien? Non, laisse tomber, Jeannot, laisse, j'ai pas de problème. Laisse tomber. Ouais, laisse tomber. Si c'est pour les casseroles, hein, quoi? Y'en a pas. Si tu veux des bibliques, c'est d'accord. Vous devriez goûter, monsieur, c'est délicieux. Vous n'allez pas m'apprendre, hein, ce que des bibliques, là. J'en mangeais quand vous étiez même pas un éclair dans l'œil de votre père. Dites, monsieur, hein, tenez-le, votre chien. Il vient sentir dans mon panier, il m'énerve. Ça va, il va pas vous manger, mon chien. Kadour, il faut que je te dise. Lucien, il y en a assez, tu fais la chaîne, moi j'étais là avant toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi alors, dites, que tout à l'heure j'ai demandé à Kadour s'il avait pas des. Oui, comment appelez-vous ça, s'il vous plaît? Des cacahuètes salées. Vous en avez jamais vu, non? Oh non, mais celles-ci sont si pittoresques. Il y a les cadeaux, répondez-moi, j'ai besoin de savoir pour ce soir. C'est vrai, ça dit. Écoute, une paire de souliers et un veston pour 3 casseroles, dis mon ami, hein, où tu vas trouver des occasions pareilles? Oh, écoute. Allez, fais voir d'abord, fais voir. Après, si je trouve, je te donne. Si je trouve pas, je donne pas. Kadour, la batterie de cuisine que je t'avais commandée, Kadour. Pas trop vite, laissez. Ah, allez, donnez-moi un paquet, voulez-vous? Et un paquet de quoi? De ce charmant blibli, là. Vous pouvez pas faire fi ça, là, monsieur, non? Fi ça quoi, monsieur? Dépêchez-vous, donne-lui un paquet de blibli, il y en a pour deux heures. Fi ça, mettez un peu les bouchées doubles. Ouais. Alors, on allez, a causé avec monsieur. Ouais, allez. Ben, mon ami, hein, pour leur faire comprendre à cela. Et écoutez, depuis le temps que je veux dire quelque chose, hein, quel chat vous avez, hein? Si vous continuez, que je ne sers personne, hein? Écoute, Kadour, hein, monsieur. Mais Kadour, moi, j'ai pas envie. Vous me cassez du travail, non? Puisque c'est comme ça, je ne sers personne, voilà. Ah non, hein? Les blibli, les travaux, Samsungo. Allez. Oui, ça, qu'est-ce que c'est? Encore vous? Mais voyons, les achats vont venir, Aïma. Kadour. Ma paire de souliers, mon veston presque neuf, dites, on ne peut pas s'arranger quand même. Non, mais je t'assure, Kadour, ce soir j'ai du monde à la maison, il me faut ces casseroles, mais il me les faut. Kadour, hein, attends, Jeannot. Mais laisse-moi, j'ai toi, très, très important. Kadour, moi ce que je voulais te dire, c'est que les casseroles que tu m'as données la semaine dernière, hein, je les rends, hein, j'en ai plus besoin. Ah ouais? C'est maintenant que t'es dit. Eh ben, Déo, tout à l'heure, depuis tout à l'heure que je suis là, j'ai pas pu parler. Moi, je les prends, Non, doucement. Et moi aussi, moi, j'en ai besoin de ces casseroles. Ce soir, Kadour, j'en ai besoin. Tu me les donnes, les casseroles. Ah, ben, faites comme vous voulez, moi, excusez-moi. Oh, c'est, hein, lui, il a du monde chez lui. Mais moi, j'étais avant vous, monsieur. Oh, pouvez-vous me dire ce que représente ces tubercules? Encore non, non, Lucien, contre moi. Pourquoi que t'es les rends, ces casseroles? Parce que j'ai trouvé un moyen de les remplacer, Kadour. Comment tu fais, Lucien, pour remplacer les casseroles, hein? J'ai un moyen unique, Jeannot. Unique, j'en vois. Qu'est-ce que c'est? Unique. Je les remplace avec mon chien. Il est fou, celui-là. Il remplace des casseroles avec son chien. Oh, ça, c'est pas possible, hein? Ah ouais, avec ton chien, ça me semble difficile. Une casserole, hein? Un chien... De quoi? Ouais. Vous voulez que je vous le prouve tout de suite?
Ouais, moi je veux bien. Tout de suite, je vais vous prouver. Je vais rigoler. Moi je la. Tu vois. Je vais la. Mendès, viens ici. Viens ici. Écoute, tiens, regarde ça. Allez, vas-y, Mendès, vas-y. Ça alors, c'est invraisemblable. C'est absolument inouï.